Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire le bilan de mon année 2020. Je vais vous parler de la sleeve, de l'alimentation, de poids, etc. Mais avant tout je rappelle que j'ai été sleevée en novembre 2016, donc on m'a retiré les deux tiers de mon estomac pour m'aider à perdre du poids et j'ai perdu plus de 45 kg depuis. Voilà, je pesais à l'époque 110 kg. Et avant de commencer la vidéo, certains d'entre vous m'ont demandé où j'ai acheté mon pèse personne, donc je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Je l'ai acheté sur un grand site marchand connu. Bien évidemment, vous pouvez le trouver ailleurs, mais en tout cas, moi, je vous ai mis le lien là de l'endroit où je l'ai acheté. Vous aurez du coup toutes les informations dessus. En plus, actuellement, elle est en promotion, donc ça vaut vraiment le coup. Moi, j'utilise ce pèse personne parce que c'est vraiment un allié dans ma perte de poids. Le principe que ce soit connecté, qu'il y ait l'application, qu'on puisse aussi avoir tout l'historique de notre perte de poids, je trouve ça vraiment top, surtout quand on est en parcours de chirurgie bariatrique. Ça nous permet vraiment de suivre l'évolution du poids, les fluctuations, etc. Et puis de garder en mémoire toutes ces données. Donc voilà, n'hésitez pas à les consulter. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, je fais cette vidéo, ça me tient vraiment à cœur parce que ça a été une année très compliquée pour tout le monde, pour toutes les raisons qu'on connaît déjà. Alors, pour retracer un peu l'historique et ceux qui me suivaient pas encore au début de l'année 2020, j'avais commencé l'année avec plein de résolutions. J'avais pour projet d'essayer de faire un marathon, des choses comme ça. Bon, vous pouvez constater que j'ai pas fait de marathon, donc c'est des choses qui n'ont pas pu aboutir. Pour autant, voilà, c'est un projet que je garde en tête, mais c'est aussi pour vous montrer que voilà, j'ai dû m'adapter et voilà, que c'est pas perdu. C'est un projet qui sera pour plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé l'année avec quand même l'envie de persévérer, de continuer. J'avais repris du poids, hein, vous le saviez, j'étais dans les 68 kilos à peu près l'année dernière. Voilà, j'étais quand même dans une note où j'étais toujours dans la recherche de solutions pour continuer à essayer de perdre le poids que j'avais repris, apprendre aussi à mieux contrôler mes émotions parce que en ce qui me concerne, je mange beaucoup mes émotions, c'est-à-dire que dès que je suis trop triste, trop contente, quoi, c'était toujours un prétexte pour aller vers l'alimentation, les grignotages, etc. Ensuite, il y a eu du coup, bon bah, l'arrivée du Covid avec aussi toutes ces particularités. J'ai perdu des gens qui me sont très proches au courant de l'année, donc ça a eu beaucoup de conséquences au niveau des émotions. Et il a fallu, et ben, que malgré tout, je poursuive tout le travail que je faisais sur moi pour, et bien, faire face à mes émotions, mais sans les compenser par l'alimentation. Pardon, sans les commencer par l'alimentation, j'ai réussi non seulement à maintenir mon poids, mais en plus à en perdre. Vous le saviez, quand j'avais fait ma vidéo sur le mois de novembre, je pesais 65 kilos. J'étais très contente de cela parce que bah voilà, j'avais réussi à perdre les quelques kilos que j'avais repris. Donc j'étais vraiment très contente de ça. Et puis pendant le mois de novembre, j'ai une abonnée qui me suit depuis longtemps, qui m'a dit « Écoute, j'ai l'impression que tu as encore perdu du poids. Est-ce que tu as perdu poids ?» Et je dis « Non, non » et tout ça. Puis après, ça m'a quand même élevé un petit peu la curiosité et je suis allée me peser. Donc ça aussi, c'est une deuxième victoire pour moi sur l'année. Avant, je me pesais tous les jours, voire tous les 2-3 jours, mais c'était compliqué. Maintenant, je peux rester une semaine sans me peser, ça ne me pose pas de problème. Alors bien évidemment, je garde quand même un rythme à me peser à peu près tous les 10-15 jours maximum pour garder une vigilance en fait sur mon poids, mais c'est pas quelque chose qui m'obsède l'esprit, et ça pour moi c'est une grande victoire. Je veux dire, j'ai 31 ans, ça doit faire quelques mois que ça dure, sinon pendant les 30 ans de ma vie, c'est le poids, c'était toujours quelque chose de compliqué, j'étais toujours à me peser tous les matins, etc. Donc voilà, donc ça c'est aussi un gros point positif. Et donc suite à la remarque de cet abonné, je suis allée me peser et effectivement j'avais encore perdu du poids, donc j'étais descendue à 63,5 kg. Donc là, avec les fêtes, j'ai repris un petit kilo. Donc là, je suis à 64,5 kg. En période de fête, donc pour moi c'est carrément une victoire. Je suis super contente. Voilà, je pense que le lâcher prise joue beaucoup aussi. J'ai appris à lâcher prise, à me détacher et surtout à m'écouter. Et ça aussi c'est quelque chose de très très important parce que avant je me disais mais non, si je m'écoute, je vais trop manger ou je vais pas.
où je vais manger que des choses qui sont plutôt des gourmandises, etc. Et c'est faux. C'est une erreur de, enfin, c'est une erreur que j'ai eue de penser ça, en fait, de moi. Je me rends compte que mon corps, en fait, arrive très bien à contrôler les choses, à gérer les choses. Parfois, je vais avoir très faim, je vais manger un peu plus que d'autres. Et derrière, bah voilà, si par exemple là, dans les périodes de fête, j'ai mangé des choses plus grasses, plus caloriques, derrière, forcément, bah, mon corps m'a demandé des choses plus saines. J'avais envie de manger des choses, voilà, des fruits, des laitages, des choses comme ça. Donc voilà, mon corps arrive très bien à gérer les choses. Et le deuxième, enfin pas le deuxième, parce que j'en ai déjà cité plusieurs, mais un autre point positif que j'ai sur cette année, c'est d'apprendre à me faire confiance, à faire confiance à mon corps. Et ça, c'est aussi une grande preuve de lâcher prise de ma part. Donc voilà. Pour le poids, voilà, encore une fois, je suis très contente de ça. Pas que mon but n'est pas d'atteindre la maigreur, hein, clairement, c'est pas ça. Mais en tout cas, je voulais au moins rester aux 65 kilos, voire un petit peu en dessous. Maintenant, en fait, ce que je souhaiterais plutôt que de perdre réellement du poids, c'est surtout de muscler mon corps. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui fait du sport, du vélo elliptique pour tous ceux qui ne le savent pas. Mais j'ai beaucoup de mal à faire tout ce qui est renforcement musculaire. Donc ça, c'était un objectif que je m'étais fixé en début d'année 2020, qui n'est pas réellement abouti, faut l'avouer. J'en ai fait beaucoup plus sur l'année, mais c'est beaucoup trop fluctuant. Je n'ai pas encore de réelle routine par rapport à ça. Et c'est un des objectifs du coup pour 2021 parce que c'est quelque chose qui est très très important et c'est surtout que voilà maintenant je me rends compte quand même que c'est bien d'avoir un corps qui a un IMC dit normal mais c'est aussi bien quand le corps a un certain tonus et parfois voilà je me rends compte qu'il y a certaines parties de mon corps qui manquent de tonus et c'est voilà c'est toujours mieux d'améliorer ça. J'avais vraiment envie à travers cette vidéo de vous montrer que voilà c'est possible. Vous voyez, je suis à 4 ans post-op aujourd'hui. Si vous reprenez mes vidéos d'il y a un an et demi, j'avais des périodes de difficultés et aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à dépasser ces difficultés-là. Ça ne veut pas dire que je les aurai plus, ça ne veut pas dire que j'en aurai pas d'autres. Ça veut dire qu'actuellement, voilà, je suis beaucoup plus sereine. Il y a beaucoup de résultats sur tout ce que j'ai entrepris. Voilà, maintenant, il ne faut pas non plus penser que les choses arrivent seules. C'est faux de penser ça aussi. Pour avoir du résultat, il faut donner du travail. Alors le travail, c'est des efforts, c'est se remettre en question, c'est se faire aider, se faire accompagner, croire en soi, voilà, c'est tout ça qui permet d'avoir du résultat. S'il y a un an et demi, je m'étais dit, oh, de toute façon, c'est comme ça, j'y arriverai pas, bah, aujourd'hui, j'aurai toujours les kilos en plus, mes émotions, j'arriverai toujours pas à les gérer, etc. Donc, voilà, il faut vraiment avoir conscience de ça. Pour avoir du résultat, faut du travail. Si je m'étais confortée dans mon grignotage, bah, j'aurais pas ces résultats. Et une fois qu'on a le résultat, bah, c'est encore plus encourageant et on se fixe encore plus d'objectifs à atteindre et c'est vraiment motivant. Donc voilà, pour tous ceux qui sont dans cette période-là, surtout croyez en vous, donnez-vous les moyens. Ça prend du temps, hein. Faut aussi se laisser le temps d'avoir le résultat. Faut pas mettre la barre trop haute, faut voir les choses sur le long terme. Mais croyez en vous, c'est positif et aussi difficile que l'année a pu être, je pense qu'on a tous du positif à en tirer. Il y a toujours, même si c'est une, deux petites choses, il y a toujours du positif. Il y a toujours, même des situations, vous voyez, moi je vous parle du deuil, donc c'est des choses très tristes, très douloureuses. Et pour autant, ça m'a quand même apporté sur un autre plan hein, qui est différent, mais du positif, parce que c'est à ce moment-là que j'ai lâché prise et je me suis rendu compte que c'était positif pour moi sur mon poids, sur la gestion de mes émotions, etc. Donc voilà, il y a toujours du positif à retirer des situations. Parfois, c'est difficile de prendre ce recul-là. Pourtant, c'est hyper motivant quand on le fait parce que bah, du coup, on arrive quand même à y trouver des petites choses positives au quotidien pour la suite. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous encourager là-dessus et puis vous dire que ben voilà, 2021 est devant nous, qu'il y a plein de nouveaux objectifs à se fixer. Il y en a certains qui seront réalisés, d'autres pas. Hein, encore une fois, comme j'ai pu vous le démontrer en 2020, ça veut pas dire que ce sont des échecs, ça veut dire que c'était pas le moment. Et puis voilà, et puis on refixe l'objectif à plus tard ou on modifie l'objectif. C'est peut-être
peut-être tout simplement pas le bon ou pas le bon moment. Mais en tout cas, voilà, surtout restez positif, croyez en vous. Pour tous ceux qui vont se faire opérer, c'est une nouvelle page qui arrive, hein, c'est un nouveau départ. Mettez toutes les chances de votre côté. Ayez bien conscience que c'est pas une baguette magique non plus, que ça demande du travail, de l'investissement. Ça, c'est très important. Plus vous investirez sur vous-même, plus vous aurez du résultat. Comme je vous l'ai dit, moi, j'étais obligée de travailler sur mes émotions à 2, 3 ans, 4 ans post-op. Peut-être que si j'avais fait ce travail en amont, ça aurait été plus facile pour moi après. Peut-être, là encore, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est certain que ça m'aurait aidé. Donc voilà, pareil, quand vous êtes en phase d'attente, je pense notamment à tous ceux qui ont été décalés par rapport à la situation sanitaire pour les opérations, mettez ce temps à profit, toutes les petites choses que vous changez. On ne peut pas changer du jour au lendemain tout, c'est pas possible, mais c'est petit à petit qu'on arrive à faire plusieurs modifications et tout ce que vous allez mettre avant l'opération va vous aider pour le après. J'avais vraiment envie de tous vous encourager par rapport à ça et je sais que voilà, d'autres sont dans une période de reprise de poids, etc. Rien n'est figé dans la vie et quand on croit en soi, quand on se donne les moyens et quand on se fixe des objectifs raisonnables, etc., il y a toujours possibilité d'y arriver. Voilà, j'espère que du coup ce bilan vous aura permis peut-être de vous aussi trouver du positif sur l'année et de, en tout cas, de vous encourager, surtout par rapport à la sleeve, etc. C'est le principal objectif sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous aura motivé par rapport à tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, pensez bien à liker et à commenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été pour vous les choses positives sur l'année. C'est toujours super chouette de pouvoir échanger avec vous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.